Le public était venu en masse à San Siro pour célébrer le premier Boxing Day de l'histoire du championnat italien. L'affiche entre l'Inter 3e et le Napoli 2e devait être une fête, mais celle-ci a été gâchée par de nouveaux chants racistes. Des cris de singe à l'attention du défenseur Kalidou Koulibaly, excédé, le franco-sénégalais s'est fait expulser à 10 minutes du coup de sifflet final. Son entraîneur Carlo Ancelotti l'a assuré, la prochaine fois il demandera à son équipe de quitter le terrain. Double peine, le Napoli s'est incliné dans les arrêts de jeu. Un but inespéré de l'Argentin Lautaro Martinez, bien servi par l'ancien monégasque Keita Baldé. Avec ce succès, l'Inter conforte sa place sur le podium et revient à 5 longueurs de son adversaire.